Salut, comment allez-vous? Alors, dans cette petite session, je voulais simplement vous parler du principe il suffit de le vouloir. En effet, quand on veut, on peut. Tout est possible. Si tu veux, si vous voulez, eh bien, vous pouvez. Mais parfois, on ne réussit pas parce qu'en fait, au fond de nous-mêmes, on ne donne pas assez d'énergie. On veut quelque chose, mais pas au point où on ferait, ou attendez, je n'arrive plus à parler moi, où on sacrifiait, où on sacrifierait, merci, toute notre vie pour cette chose. Et c'est vrai qu'il y a un droit de tape, il y a une droite différence entre vouloir quelque chose et voilà, même pas le vouloir, c'est un absolu, c'est je veux ça, ou bien c'est game over, ma vie est terminée. Vous voyez, mais par contre, quand vous voulez vraiment, eh bien alors vous l'aurez, parce que vous allez vraiment vous démener, vous allez sacrifier votre vie entière, vous allez tout faire, vous allez être fou à un point pas possible pour finalement faire n'importe quoi pour arriver à ce stade-là. C'est pour ça que, en réalité, oui, tout est possible, il suffit de le vouloir, mais le vouloir veut dire il suffit de voilà. Il suffit de le vouloir, ça veut dire, oui, si tu veux vraiment quelque chose, eh bien, tu vas faire n'importe quoi, tu vas passer jour et nuit à essayer de résoudre ce problème ou à faire quelque chose. Il y a des personnes qui voudraient quelque chose, mais ils voudraient, voilà, ils veulent donner le minimum d'efforts et ils le veulent. Et donc ils disent, ben non, c'est pas possible, je n'arrive pas. Mais c'est simplement, ils n'arrivent pas parce qu'ils ne donnent pas assez de capacité. En fait, s'il y a certaines personnes qui réussissent à faire des choses incroyables, imaginables, comme le vaccin, comme la méthode de contraception, par exemple, comme aller dans l'espace, comme les sous-marins, comme, je ne sais pas, les bombes de gaz, d'oxygène, les fréquences radio, etc., les radiations, etc., eh bien, tout ça, il y a 100 ans, il y a 200 ans, on aurait tous dit c'est impossible. Mais des personnes qui ont été assez fous pour y croire à 100%, voilà, ils ont réussi. C'était une population minoritaire, mais ils ont vraiment réussi et se sont pas laissés influencer. Et finalement, ils sont terminés à leur fin. Ils sont arrivés à leur fin. Donc voilà, vous voyez, tout est possible. Si eux ont réussi à le faire, vous pouvez le faire aussi. Vous êtes tout à fait conçu de la même manière. La seule différence, simplement, que peut-être ça vous prendra plus de temps. Et la deuxième différence, désolé, il y en a deux. La deuxième différence, c'est que vous avez peut-être une volonté moindre. Et si c'est pas vraiment votre but, si voilà, c'est finalement pas votre passion, pas votre dada à ce point-là, eh bien alors je vais chercher autre chose. Faut pas faire quelque chose que l'on n'aime pas, rien que pour un plaisir extrinsèque et pas intrinsèque. C'est-à-dire un plaisir, finalement, peut-être pour l'argent. Vous faites ça, mais pas pour le direct plaisir de la tâche. Donc voilà, c'est pour ça, c'est simplement pour vous expliquer. Ici, c'était une petite courte session, mais simplement pour vous dire que oui, tout est possible, il suffit de le vouloir, mais. Voilà, il faut gagner à comprendre cette phrase ou pas. Mais si vous voulez vraiment cette chose, eh bien, démenez-vous et je vous garantis, vous allez réussir, vous allez obtenir cela. Nous, on se donne rendez-vous très bientôt. Ciao!